Je crois qu'avant tout, dès le départ, mon souhait, c'était déjà de mettre, je dirais, la diversité culturelle en avant. Et c'est pour ça que depuis maintenant 7 ans, nous organisons ce festival de la diversité sous le patronage de l'UNESCO. Parce que je pense que c'est très important, je dirais, aussi bien l'ouverture vers l'extérieur, mais aussi c'est le rapprochement de nous tous avec une même cause qui s'appelle la culture. Voilà. Cette sélection s'est déroulée d'une manière très simple et comme, je dirais, toutes les rencontres à chaque fois, il y a les choses qui se passent, qui se produisent et on suit son instinct tout simplement. Et c'est comme ça qu'en rencontrant Madame Hélène Drenard, qui a écrit le livre sur l'Égypte et les académiciens, qui m'a donné l'occasion de rencontrer le professeur Amal El-Saban. Et je dirais que tout de suite, le contact est passé et je me suis dit qu'en étant à la mairie du premier et en ayant le musée du Louvre en face avec un des plus grands départements égyptiens dans le monde, je trouvais que c'était un très joli clin d'œil, aussi bien pour le premier arrondissement que pour l'Égypte et le Louvre. Je dirais que le dialogue maintenant est ouvert et je dois dire que par la qualité des événements que le Bureau culturel d'Égypte nous a proposés et que nous avons soutenus, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est une relation, une coopération absolument formidable. C'est rempli de chaleur et d'intelligence. Voilà, et ça, c'est très important. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est un véritable message de paix que nous passons aujourd'hui, un message de paix entre les religions, entre les cultures, avec M. Intissar Abd El Fattah. Je veux que vous profitiez au maximum de cette présentation. Merci. الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا
Écoutez, notre rôle, c'est d'accueillir, c'est de mettre en contact les hommes, les talents, les générosités, les solidarités, les fraternités. En tout cas, ce message de paix d'Entissar Abdel Fattah a vraiment conquis le public. C'est un travail musical extrêmement original, très profond, très, très difficile, avec plusieurs formations musicales, Caroline Dumas de l'Opéra de Paris et beaucoup de musiciens, de chanteurs. C'était vraiment un moment très fort, très émouvant, un véritable message de paix. Nous sommes très heureux, dans le premier arrondissement, d'accueillir une manifestation aussi exceptionnelle, parmi d'autres manifestations exceptionnelles, autour de cette, on peut dire, de cette entente, de cette culture, de tout ce partage que nous avons entre la France et l'Égypte. C'est un moment très fort et je dirais que c'est une soirée inoubliable. Nous avons une histoire d'amour ancienne entre la France et l'Égypte. Le musée du Louvre, juste à côté, est le deuxième plus grand musée consacré à l'égyptologie au monde, après le musée du Caire. L'égyptologie est un peu quand même une invention française grâce à Champollion. Et voilà, nous avons, je dirais, des passions en commun. Nous avons une culture qui est profondément enracinée. La culture, la civilisation égyptienne est certainement la plus ancienne et c'est extraordinaire, c'est d'une modernité, c'est d'une profondeur qui a certainement eu une importance incroyable sur toutes les autres civilisations du monde. Alors c'est tout ça qui nous est cher, c'est tout ça que nous voulons en quelque sorte célébrer, magnifier, et votre pays a traversé des périodes très difficiles. Je crois que c'est le moment de dire notre solidarité, c'est le moment de nous retrouver, c'est le moment de nous rassembler, c'est le moment d'échanger. Je sais que beaucoup d'Égyptiens rêvent de la France, rêvent de venir à Paris, beaucoup de Parisiens rêvent de l'Égypte, et bah, écoutez, que ces rêves se réalisent. Ça, c'est l'Égypte qu'on a voulu défendre. Elle est toujours là, elle existera. Ce sont des valeurs auxquelles le peuple égyptien y tient. On a pu sauver notre région parce que l'Égypte a refusé de s'écrouler. Mais l'Égypte va sauver la région encore une fois avec cette culture, avec ses valeurs, cette diversité, cette tolérance, cet amour pour la paix. Je tiens à vous remercier tous, docteur Entissar Abdel Fattah, votre troupe. C'est vraiment un travail formidable. Franchement, je me sens très fier maintenant que je suis égyptien. Parce qu'avec cet événement, on a donné l'exemple. Comment peut-on vivre ensemble et en harmonie? Je dis et je le répète toujours que l'Égypte, maintenant, ici, il y a une solution. Cette solution est en Égypte et ça doit commencer de l'Égypte parce que l'Égypte actuellement est en train de construire une nouvelle mentalité de paix et on doit, si vous voulez, exporter ça dans la région et le Moyen-Orient. Thank you.
Cette année, on a voulu qu'on fasse des activités chez nos amis français pour consolider les liens de coopération étroite avec la France. Le Festival de la diversité culturelle étant l'une des manifestations les plus importantes en France. Dans sa 7e édition, nous avons eu l'honneur d'être l'invité d'honneur avec le maire Jean-François Legaré, Madame Carla Arrigoni, Monsieur Janico, le président de la Commission nationale française à l'UNESCO. Nous avons établi ce beau partenariat pour présenter l'Égypte. L'Égypte est présente ici par un nombre d'expositions, exposition du grand peintre contemporain Omar El Negdi, le centre d'artisanat de Fosfet, avec Shahira Fawzi qui est une designer contemporaine, et également avec ces photos, ces belles photos, cette exposition des photos qui sont sur les palissades de la mairie et qui représentent les plus belles photos de l'Égypte. Et ici, je suis venu pour plusieurs choses. Une de ces choses, c'est que j'ai donné une exposition ici, pendant les manifestations qui sont ici, avec le titre Paris le Caire, patrimoine architectural partagé, pour montrer comment le centre-ville a évolué pendant, à partir de la période de Ismaïl Pacha, sur la même ligne de l'architecture de Paris. Alors, on a créé, c'est-à-dire des places rondes avec plusieurs rues qui sortent de ça, et des boulevards, et des jardins au milieu de Caire, comme le jardin de Luxembourg ici, et d'espaces de verdure immense dehors de Caire, qui est devenu après le jardin zoologique et le jardin Orman, comme le bois de Boulogne ici. Et aussi, il y avait plusieurs architectes français qui ont participé à faire le bâtiment en Égypte, en effet français et italien. Alors, j'ai montré une vingtaine de bâtiments au centre-ville de Caire qui ont été bâtis par des architectes français et aussi des autres qui ont été bâtis par des architectes italiens. Et aussi j'ai proposé, je suis en train de travailler là-dessus avec l'ambassade de la France en Égypte et l'ambassade de l'Italie en Égypte, pour créer un itinéraire pour visiter les bâtiments qui ont été conçus par des Italiens et qui ont été conçus par des Parisiens. Et des Français. Est-ce que l'échange est toujours aussi dynamique entre les intervenants égyptiens et européens, français ? Certainement pendant les dernières 4 années, elle n'était pas comme ça parce qu'il y avait beaucoup de troublements en Égypte. Mais maintenant, je crois que ça va recommencer. Et on voit maintenant les événements qui sont ici, dans ces lieux, qui montrent la relation entre l'Égypte et la France. Et il y a des mêmes activités qui se déroulent en Égypte aussi pour améliorer, c'est-à-dire pour récupérer la relation entre l'Égypte et la France. Et je crois que ça va monter très vite. Quels sont les projets porteurs à l'heure actuelle, qui peuvent dynamiser l'entente? En effet, nous sommes en train de parler comment le gouvernement français, à travers plusieurs organisations, de participer à l'évolution qui se porte au Caire maintenant, parce qu'on a commencé à renouveler le centre-ville au Caire. On a choisi même un ancien bâtiment qui était un palais de Saïd Halim pour le transformer en un musée qui montre
la participation des ingénieurs français et des ingénieurs italiens et aussi des autres. Alors, on est en train maintenant d'activer cette idée. Sans conservatoire Saint-Michel, dont on espère que ça soit réouvert
créer prochainement. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je tiens à remercier également le grand poète M. Saïd Djer, qui a eu l'amabilité, la gentillesse venir une fois de plus de l'Égypte pour soutenir cette idée de la vie, de la poésie. Mais en fait, je dois remercier également le bureau culturel, tous les gens qui travaillent avec mon bureau culturel, pour tous les efforts qu'ils déploient pour qu'on fasse de notre mieux, pour qu'on présente l'Égypte sous un visage qui lui revient. On a deux jurys. Le jury arabe, donc placé sous la présidence de M. Saïd Djer, qui est un très très grand poète égyptien, un parmi les contemporains. Son œuvre est même chantée, adaptée dans des œuvres, à la télévision, au théâtre. C'est quelqu'un de très demandé et vraiment je le remercie de nous faire encore cette amitié de venir chaque année et de souvenir parce que son nom et sa présence va peut-être permettre de continuer longtemps. Et bien sûr, Yves Le Tourneur, poète, vous connaissez, philosophe, merveilleux poète aussi, qui lui préside le jury français. Jury français qui est composé de, je ne la présente pas, vous la connaissez tous, Joël Hazard, qui est grand porteur, qui est à France Télévisions, spécialiste du monde arabe, et vous avez dû la voir très souvent sur les écrans, et je la remercie d'avoir accepté aussi de participer à ce prix. Et Nicole Barrière, qui est en Argentine pour un autre prix, et qui vous présente bien sûr ses excuses, mais qui nous a transmis son choix. Le jury a délibéré, il y a trois prix. Un premier prix de poésie en langue arabe littéraire, et un deuxième prix qui est un certificat d'honneur. Je vais peut-être inviter... Alors il y a un membre du jury qui se cache derrière sa caméra parce qu'il est... C'est Osama Khalil qui est le directeur du centre culturel L'Harmattan, le script L'Harmattan. J'aimerais bien qu'il rejoigne le membre du jury pour qu'on puisse... s'il vous plaît. Ceux qui connaissent le script connaissent notre méthode de travail. Voilà, Osama Khalil, donc il dirige ce... cet espace culturel qui est au cœur du quartier latin, à Robert Mutualité. Docteur Abel, qui va ouvrir peut-être Monsieur le Président. Donc je vais inviter une, elle est
palestinienne, elle dirige la troupe Rhodes, elle est comédienne, elle est très très active au niveau de la culture et de l'art. Je vais demander à Amir Hamad de venir lire en arabe un petit extrait. قصيدات حمامة تحدق في البعيد وتلمع في عيونها عصا بندقية إلى أيمن ساعي السماء هنا هي ذاتها السماء هناك القمر الذي ينظر إلينا بعين واحدة كغريب يراقب حبيبين في مقهى كغريب يراقب حبيبين في مقهى من شباك مفتوح هو ذاته القمر الذي يصنع عينه الأخرى الذي يضع عينه الأخرى على جندي شاعر يجدل الكلمات ويلفها حول قلبي كشريطة تلف هدية ميلاد لا تفتح أبدا كي لا تتسلل الحرب هذه العجوز الماكرة إلى قلبه النجوم التي تنصت باهتمام إلى عين الشاعر في الليل وهي تقول كلاما عابرا لم يقدر على قوله الشعر أو الرصاص تومض كأنها تلوح له بكفها وهو يقف على الطرفة الأخرى من الحياة لأن العين الأخرى يتقاسمها الشيطان وأبناء الشيطان وأين avec un recueil de poésie et je vais inviter Rim Seyed qui va aussi donc nous donner le nom de l'heureux lauréat ou lauréate, je ne sais pas. Effectivement, le premier prix c'est un voyage en Égypte, un billet d'avion aller-retour Paris, Le Caire. Donc je ne sais pas comment elle va. Vous avez raison, ça va être très compliqué ce voyage pour cette lauréate. C'est Égyptaire, la compagnie nationale, qui nous a donc offert des billets pour les lauréats des prix. Voilà, un beau voyage, un beau pays, un pays de rêve. Bonsoir, le deuxième prix de poésie en langue arabe est attribué à Nizar Seyed Shihabuddin, et ainsi que des recueils de poésie. Moi, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour dire quelques mots. Je suis très, très honorée d'être là. Merci aux organisateurs. Merci Monsieur le maire, à tous les gens qui ont participé. Nous écrivons d'une manière différente, nous les poètes, parce qu'au-delà des angles de vue différents et des vécus différents, mais on a tous et toutes une responsabilité commune, qui est une responsabilité humaine envers les générations futures. Et je me suis jurée de ne pas rendre mon âme ni ma vie pour n'importe quel prix, et j'espère que tout le monde sera pareil. Et je vous remercie, je suis très honorée. كطفلة من القمر أحملها على يدي كطفلة من القمر تقبض فوق إصبعي بكفها فتنبض النجوم تنبت الطيور يرقص المطر لم يبدو في صورة قلبي وهو راقصا يعيد خفقه من حيثما ابتدع ولا دمي الذي أضاع بالحنان والندى لكن بدا من اختلاج روحي في الأشياء حولها أن اسمها ندى اللوحة الثالثة في لعبة الاختباء ضربتها تحت الفراش تختبئ
يا للثواني، هذه اللحظة كانت مثل عمر ممتلئ. ثم سمعنا أمها تبحث عنا، ضمنتها تحت الفراش واختبأنا عن عيون أمها، والضحك المكتوم لا يكاد ينطفئ. اللوحة الخامسة، ضمنتها تحت جدار المسجد المهدم القديم. في الليل يبدأ الحين يلتمع الفوسفور في السماء فوق أرض الشارع المحروق بالقذائف. يعلو بكاء طفل، يعلو بكاء لطفل راقد جوارنا، وأمه تعجز عن إسكاته. يهتز فوقنا الجدار من قذيفة قريبة، تهمس لي ويتضمني بشدة. أبي، ما الجدار خائف؟ كأنها كانت ترى. فبعد يومين تهاوى في تعب، عدنا من البحث عن الطعام في الأنقاض كي نرى كومة من التراب واللهب تبدو خلالها يد الرضيع في اللفائف. De la catégorie langue arabe, monsieur Sobri Hussein. Voilà, merci. Donc, le prix concernant le recueil de poésie, il y avait 5 environ concurrentes, et le prix de recueil de poésie en langue arabe était décerné à monsieur Hamza Qennaoui. Hamza Qennaoui, qui n'habite pas la rue Saint-Denis. Quelle contribution qui rend un bel hommage à la langue.
puisque sous quelques plumes, on trouvait des références à des formes d'écriture classique. Et même l'un des concurrents a mis en exergue une phrase en latin. Nocte intempesta, l'intempestive de la nuit, ou une nuit intempestive, nous y avons été particulièrement sensibles au moment où vous ne l'ignorez pas, des difficultés accompagnent dans notre propre pays la question de l'ordre ancien. Un exemple de la préoccupation de nos poètes par rapport aux majeurs du monde. Chez Daouda, Mbou, l'auteur me pardonnera si j'estropie cette prononciation, nous pouvons dire, arrêtons-nous de nous cacher derrière les religions pour semer le malheur. Avant de procéder à la proclamation solennelle officielle des prix, je voudrais que nous fassions brièvement ensemble un petit parcours parmi beaucoup de perles poétiques qui se trouvent chez de nombreux candidats. Et quand bien même leur texte n'a pas été reçu, il mérite d'être, à mon sens, salué au passage. Des talents très divers s'expriment, et je vous en donne quelques exemples. D'abord, un grand poème en prose, c'est un poème en prose, très très beau texte, de Mounir Serrani, qui tient sur deux pages, et sous le titre Épaisseur de l'ombre, où l'on peut lire La nuit tombe sans prévenir, elle balbutie ses premières étoiles. Et du même auteur, nous avons reçu une très belle, très forte approche au nom du printemps des poètes de l'œuvre de Marie Lange. De Bentamed Houssam, dans un poème intitulé Perdu le Nord, nous pouvons lire Usé comme un luth oublié, que le vent fait vibrer, la corde lui plaît. De Nasser Bestan, sous le titre Autour du soleil, un dialogue inspiré d'un échange des planètes avec la Terre. Le texte est ingénieux, l'expression n'est pas toujours entièrement maîtrisée, mais l'idée est fort belle. De Haït Seyman Amazigh, sur le titre L'instant, nous pouvons lire ceci. On ne compte pas les gouttes d'eau asséchées par la soif du soleil. Ou du même auteur, la nudité du corps de la femme était alors un lieu de pèlerinage pour les exaltés de la vie. De Myriam Zaroul, qui avait été en particulier remarquée par Nicole Barrière, sous le titre Noir au soleil, ceci. Les oiseaux, de grandes phrases noires qui hachent le soleil. D'Abdel Bonnet, également remarqué par Nicole Barrière, sous le titre Mots croisés. Donne-moi une flûte pour jouer mon bonheur sur la musique du chagrin. De Nassif Amir Fahad, étudiant en lettres modernes et philosophie à la Sorbonne Nouvelle, une très jolie tentative rimée pour construire un dialogue poétique et théâtral où l'on trouve entre autres cet alexandrin, Accueille-moi chénier sur le trône échafaud.
et j'ai cru pour ma part y repérer un murmure hugolien. Voilà ce que je voulais vous présenter en avant-première, si j'ose dire, ou en exergue, ou en avant-scène. Ça va être la remise du premier prix de poésie en langue française. C'est un voyage aussi en Égypte avec un billet d'avion aller-retour. C'est par la compagnie Égyptaire. Donc je te laisse, Yves, annoncer ce poème, le nom du candidat, et demander peut-être à Joël Hazard de remettre le prix si la personne est là. On va voir. Donc le premier prix de la poésie en langue française a été attribué à Rita Basile. Cette tragédie aujourd'hui,
voilà, nous permet au moins, rien que par l'art, de pouvoir nous identifier, nous sentir tous solidaires des peuples arabes et syriens aujourd'hui qui vivent des drames. Voilà, donc moi je voulais me reposer de la guerre et là voilà qu'on me rattrape par le premier poème que j'ai écrit qui n'évoque pas d'une manière évidente la guerre que j'ai vécue. Tu m'as dit que les nageurs des ciels d'azur perdaient de vue les oiseaux lyres. Tu m'as dit que les distraites rêveuses s'accommodent à la rosée du matin. Tu m'as dit qu'à l'ombre des mers trop aimantes, les gouttes de pluie n'écrasent pas les coccinelles. Tu m'as dit aussi qu'au pays des pères, l'Orient trompeur passe, comme passent les blessures, comme passent les pays, comme passe le suicide des femmes. Hôtel Palmyra. Seule, je suis revenue. Je monte les marches vers le toit. Dans la pénombre, ta voix. Qui es-tu? Je ne veux plus le savoir. Loin d'ici, referions-nous connaissance? Je suis revenue. Les marches me mènent à toi. Mais je ne désire plus que le silence. Je replonge dans mon passé sans nostalgie, et tu es encore en moi. J'ai reconnu l'enfant dans le visage de mon hôte. Estes, vous êtes tous partis. Les canapés sont vieux et le parquet grince sous mes pas. Le parfum des couloirs vides me reconnaît. Merci, Rita. Concernant le prix d'honneur, son attribution concerne Boris Hainaut pour un poème qui n'est pas titré, mais dont le point de départ sert de titre, La mer Méditerranée. Évocation d'Odyssée tragique qui nous renvoie au drame que vous connaissez à nos portes, et vous me permettrez d'ajouter que le naufrage de tant de pauvres gens peut aussi nous renvoyer au naufrage d'une civilisation dont nous sommes fiers, mais dont nous ne sommes pas toujours capables de porter jusqu'au bout les exigences et les valeurs. Voici donc ce poème interprété, me disait. Alors, le nom peut-être le titre, le nom du candidat. Oui, Boris Hainaut. Voilà. Alors, Boris Hainaut est malheureusement pas avec nous, il est revenu. Il m'a demandé de lui présenter ses excuses. Et alors, dans une improvisation totale, on a parmi nous un comédien, dramaturge, metteur en scène de théâtre. Et il n'a pas eu le temps, il ne connaît pas du tout, il ne sait pas ce qui lui arrive. Je l'ai vu et je lui demande de nous rejoindre. C'est Éric Auguste, que vous connaissez tous. Merci Éric. Donc, oui, un prix du recueil de poésie. Ah, que voici, d'accord.
que le poète belgeo-suisse Jacques Herman n'est pas là, je vous demande d'accueillir Maria Zaki pour Risée de Sable. Bonjour. Peut se
parler, d'être ensemble et de créer. Et donc, une médaille pour membre du jury Langue Arabe, monsieur Sokri. Merci à vous. On revient dans le jury de langue française. J'appelle la journaliste que vous connaissez tous, Joëlle Hazard. Joëlle, par-dessus. Voilà, tu as vu Caroline, c'est pour toute l'action qu'elle a faite dans ces rencontres les cultures. Bravo Joëlle, merci. Moi je voulais remercier bien sûr tout le jury, monsieur le maire et Fatima, bien entendu, l'organisatrice et toute l'assemblée qui a vraiment bien participé à notre cérémonie. Et puis je suis vraiment tellement honorée de recevoir une médaille venant de l'Égypte, vraiment l'Égypte aussi qui fait une partie de mon cœur. Allez. Elle écrit en poésie et allégement, et c'est monsieur Père qui va lui remettre cette médaille. Parce que c'est le quartier, son quartier de prédilection. Et je